Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Et ce n'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Allez, je vais dire Thomas Müller. Il joue souvent... Enfin, il joue souvent là où il veut, en fait. Il va de partout, on ne sait pas exactement quel est son poste. Par contre, devant le but, quelle efficacité. C'est simple, ce mec-là, il est imperméable à la pression. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Il tire! On a failli voir un but magnifique! La défense a encore été prise sur cette passe, il faut qu'il se réveille là! Et le 6 mètres directement sur lui. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur. La frappe! Et c'est au fond, au but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Salah ! Super barré de Neuer ! Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué. Oh, voici Sané ! Le ballon dans la profondeur. Il est tout seul ! Il est passé ! Le centre est tendu. C'est quand même extraordinaire, la manière de faire tourner le ballon, le conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire, Darren. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponibles. C'est un sacré boulot, quand même. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Une occasion, peut-être, pour Roberto Firmino. J'imagine que c'est une consigne du coach, ces petites passes courtes. Ça permet de garder la possession du ballon. Et c'est visiblement ce qu'il recherche. Il la remet. Il peut frapper. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Oh, Müller. Sané, le bon dribble. Il rejoue derrière lui. Énorme occasion! Et ça rentre! Oh, ils ont trouvé le bon rythme là! Quelle efficacité! Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Le gardien ne pouvait rien faire sur ce coup-là et avec l'aide de la transversale, c'est carrément imparable. 2-0, le break est fait, on est reparti. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Oh, le bon ballon! Et c'est le but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Et ce contre déclenché sur un côté, et quelques instants plus tard, ça fait but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Goretzka qui cherche une solution. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Peut-être une occasion pour Müller. Keïta. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Une occasion peut-être pour Roberto Firmino. La passe dans la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Ce sera le premier corner du match.
Alaba. C'est joué dans l'espace. Il reçoit le ballon. Et corner donc. Il va falloir être précis. C'est bien donné. Le centre. La frappe! Keïta. Salah. Thiago. Bien servi. Il tire. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Mané. Allonge le jeu. L'interception, bien joué. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Robertson. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. 3-0 à la pause, on vous laisse revoir tranquillement et ralenti, consulter les statistiques, ou on va en profiter pour reprendre notre souffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr, et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense, parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. Le Bayern Munich, qui a dominé cette première période de la tête et des épaules, 3-0 au tableau d'affichage. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. Et pour info, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Goretzka qui récupère le ballon. Il était temps. Il s'impose physiquement dans ce duel. Voici Roberto Firmino. Revoici Mohamed Salah. Ça joue long. Il continue. Faut tirer là. Super barré de Neuer. Attention là. Il est sur le côté. Accélération. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Va-t-il en profiter? La longue passe, le bon jaillissement. Dans la profondeur, bien vu. Un long ballon vers l'avant. Ça joue long, vers l'avant. C'est quasiment un pressing tout terrain, là. C'est exactement ça, Grégoire. C'est ce que font souvent les équipes qui aiment avoir le ballon. Le but est bien sûr de le récupérer aussi vite que possible en faisant un pressing très haut. C'est joué long, attention. Müller. La parade magnifique. Fabinho. Quelle passe. Il joue en profondeur. Sané. Mané. Bien, la profondeur. La faute. Sané. Roberto Firmino. Il est bien placé. Mohamed Salah. Il récupère ce ballon. Il cherche son coéquipier. Voilà une bonne occasion de contre. Et ça va vite sur l'aile gauche. C'est parfait, magnifique. Et c'est récupéré encore une fois. Hernandez. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Fabinho, qui a un peu d'espace. Mané. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite.
Keita qui est récompensé de son pressing. Hors jeu. Et c'est donc un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Il peut y aller. Attention, occasion. Il tente de la jouer dans l'espace. Javi Martinez. Il cherche la profondeur. C'est bien donné. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, bah faut dire que ça manquait de précision aussi. Ouverture lumineuse. Fabinho. C'était un peu téléphoné comme passe. Javi Martinez. Il était bien présent. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué dans la profondeur. Non, il est signalé hors jeu. Il allonge. Quelle maîtrise. Coman. Douglas Costa. Il ne résiste pas au contact. Peut-être une occasion pour Origi. C'est joué long. Et jusqu'au bout. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est reparti et il n'y a plus que deux buts d'écart désormais. Arnold. Il y aura deux minutes d'arrêt de jeu. Shaqiri. Fabinho. Javi Martinez. Pour le contre, l'arme fatale. Avec Coman. Il cherche la profondeur. Oh, attention, il y a danger. La frappe, attention! Et l'arbitre siffle la fin du match. Victoire méritée, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir...